Bon, alors chers amis, on va s'arrêter sur un petit moment. Une petite surprise dans cette émission, moi j'aime bien. Une chanson qui s'appelle à la base La Tristitude. Hein, c'est notre ami Oldelaf qui a créé cette chanson. Et moi j'ai voulu un petit peu réécrire la chanson et proposer à Stevie, qui est une chanteuse d'exception, de bien vouloir nous accompagner. Voici une partie du texte. Voilà, vous restez avec nous, Elodie, vous allez vous découvrir en même temps que moi, hein, vous allez voir. Je vais faire le premier couplet, vous allez voir, ça va vous plaire. Regardez sa tête déjà. Non, ne soyez pas... N'en faites pas. Alors, je précise quand même, c'est important. Tout ce qui va suivre... Non, il faut le préciser toujours pour les procès, les menaces de mort, les enlèvements. C'est de l'humour. Rien de ce que nous disons là, nous le pensons. Un peu. Non, je plaisante. Pas du tout. Attention. Je tiens à dire que je n'ai rien écrit. Vous n'avez rien... Ah, c'est... Vous vous désolidarisez ? Ah oui. Ah, mais bravo. Bravo. Mais vous avez raison. Soyons prudents. Je fais le premier couplet. Voilà. Ça, c'est vous, hein. D'accord. D'accord. Ok. Voilà. À chaque fois, j'ai quand même pris des panneaux pour qu'on s'excuse auprès des gens. D'accord. C'est important. Vous me regarderez, hein. Attention. Et c'est Monsieur Yannick Cabrion qui nous accompagne à la guitare. Merci de l'applaudir. Oui. La chanson, mes amis, mes frères, s'appelle La Malédiction. Yannick ? En quoi ? En sol ? En sol, en ut majeur, régulateur thermique, amplificateur géométrique. La malédiction, c'est comme quand t'es patron et que ça ne va pas. Tes employés ont contacté un syndicat. En décembre, le Père Noël, pour toi, c'est Domota. Elle est Domota. La malédiction, c'est comme quand t'as perdu une grande élection. Que tu prenais ton adversaire pour un couillon. Et aujourd'hui, il est président de région. T'as pas l'air d'un con. La malédiction, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un gros soucougnan sorti d'un vieux quimbois. La malédiction, c'est c'est vrai, c'est c'est ouais. C'est la vie qui t'envoie voir un gars des affaires. Mais je connais pas trop la... Attends, fais-moi la mélodie parce que... La malédiction. Non, vas-y, fais-moi la... Voilà. Alors, c'est... La malédiction, c'est quand tu demandes la mutation des fonctionnaires. Oui, des fonctionnaires. Qu'après 20 ans... Après 20 ans, c'est accepté et tu es fier. Tu es très fier, mais on t'envoie travailler... À Gourbert, t'as pas le droit. Non. L'enfer. Attendez, attendez. Attendez, attendez. La malédiction. Attendez, avant. Ah, mon Dieu. Gourbert, je t'aime. Oui. Oui, oui. Ben oui, parce que... Ah. Hein, bon. La malédiction. C'est quand tu manges un beau kit qui ne passe pas. Que ta femme est allée te rendre chez le chinois. Dedans, il y a sûrement du chien, du chat et du rat. Ah, moi, je sais pas. La malédiction, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un gros souvenir sorti d'un vieux quimbois. La malédiction, c'est vrai, c'est c'est ouais. C'est la vie qui t'envoie gagner. Voir un gars des affaires. Ah ouais. Attention, dernier couplet, on se le fait vite parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. La malédiction, c'est quand ton frère te présente la femme de sa vie. Qu'une heure avant, t'étais avec elle dans un lit. Elle est enceinte et il croit que l'enfant est de lui. Oublie. La malédiction, c'est quand sur internet tu dragues, tu montes tes pecs. Au bout d'une heure, en fait, la meuf, c'était un mec.
Et qu'on te fait du gros chantage pour la sextape. Sextape. Refrain. La malédiction, c'est toi, c'est moi, c'est nous, c'est quoi? C'est un gros soucougnan sorti d'un vieux camois. La malédiction, c'est eux, c'est vrai. C'est eux, c'est ouais. C'est la vie qui t'envoie voir un gars d'être sa fête. Oh oui! La malédiction! Vous trouverez bien évidemment ce titre disponible sur iTunes nulle part.